Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 2 chapitre 3 qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors ce glitch va être très rentable, donc c'est possible qu'il soit patché dans les dans l'heure qui suivent. Donc n'hésitez pas à l'utiliser maintenant si vous voulez en profiter parce que ça va être vite patché. Alors pour réaliser le glitch, il faudra tout d'abord aller dans le mode créatif de Fortnite. Donc vous allez dans les jeux à découvrir, vous allez dans l'onglet créer par Epic Game. Donc je ne sais pas où ils sont. Normalement il y a un onglet par Epic, mais je le trouve pas. Donc c'est bizarre. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller dans les premiers jeux proposés. Et non, compétition, récemment joué. Non, bah à mon avis, c'est jouer à votre façon. À mon avis, ils ont changé le nom. Maintenant, c'est plus par Epic, c'est peut-être jouer à votre façon. Donc voilà. Et ici, il est marqué mode créatif. Donc vous choisissez le mode créatif, voilà, comme ceci. Ensuite, vous le lancez. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans la boutique de Fortnite pendant que le mode créatif se charge. Vous appuyez sur carré et vous mettez le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe, pour me soutenir dans la boutique de Fortnite. Donc merci à tous ceux qui le font, vous êtes les boss. Alors ici, pendant que le chargement se fait, la connexion, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et n'oubliez pas le petit commentaire pour le soutien. Alors ensuite, quand vous êtes dans la map du mode créatif de Fortnite, ce que vous faites, c'est que vous allez près d'un pad et là, vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code, c'est 8, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 0, 8, 2, 7, 1. Ensuite, vous acceptez, voilà, comme ceci, et là, vous acceptez une deuxième fois. Donc là, en fait, vous attendez que la map se charge. Et vous allez voir que le glitch va être très 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 rentable. Donc on va tester plusieurs choses pour voir combien d'XP je gagne, on va dire à la minute, pendant 10 minutes ou à l'heure. On va voir combien de niveaux aussi je vais monter. Donc il faut savoir que ici je suis niveau 28, il me manque 19 000 XP avant le niveau 29. Voilà, on va aller voir combien d'XP on va gagner. Donc quand la map est chargée, vous rentrez dedans, tout simplement. Ensuite, quand vous êtes dans cette map, regardez ici, il y a un petit rebord. Il va falloir monter sur le petit rebord lumineux, voilà, comme ceci. Ensuite, vous faites une danse, montez bien exactement au même endroit que je suis. Prenez les mêmes repères que moi, voilà, essayez de prendre des repères. Et là, vous faites une petite émote, ok? Donc ensuite, regardez, quand vous êtes en bas, vous ne pouvez pas sauter sur la cabine téléphonique, donc vous devez absolument monter sur le rebord lumineux. Et ensuite, vous sautez sur la cabine téléphonique et là, vous faites une émote, une deuxième émote. Ensuite, ça va vous débloquer un cramponneur, donc un grappin. Regardez, j'appuie sur la touche L2, R2, hop, j'ai mon cramponneur. Là, vous voyez, il y a un coin. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement viser dans le coin. Et boum, ça va vous téléporter ici. Là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous placer en plein milieu et faire une petite émote. Et là, regardez, je vais débloquer énormément, énormément d'XP. Donc 23 000, 32 000, 37 000... Ok, donc là, j'ai débloqué 37 000. 37 000 XP, en quoi? En 15 secondes, 30 secondes, quoi. Donc là, je vais refaire une émote pour voir si ça redébloque. Ça ne redébloque pas. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement arrêter le jeu. Ensuite, on va recommencer le glitch. Peut-être que ça va fonctionner de cette façon. Donc, on va tester. On revient sur le rebord. Ensuite, on fait une émote. Du rebord lumineux, on saute sur la cabine d'essayage, enfin la cabine téléphonique. On refait une émote pour débloquer le cramponneur. On appuie sur la touche R2 ou R1 pour débloquer le cramponneur. On vise le coin, hop, et on se téléporte. On va au milieu, on fait une émote. Et là, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Donc, en arrêtant le jeu et en relançant le jeu, ça ne fonctionne plus. Donc, ah, quoique, ah si, ça a fonctionné.
mais pas autant qu'avant. Donc moi, par précaution, moi ce que je vous conseille, c'est directement d'aller dans le menu Options. Donc dans Options Menu, vous faites retour à l'accueil. Quand vous êtes dans l'accueil, vous retournez dans la map. Et normalement, là, ça devrait refonctionner l'XP correctement. Parce que là, il y avait un petit problème, j'avais l'impression. Donc je pense qu'en arrêtant le jeu et en relançant le jeu, ça fonctionne pas peut-être forcément. Donc là aussi, il y a un autre problème, c'est que je gagne pas les XP. On va quand même tester, mais si je gagne pas les XP, j'ai une autre solution encore pour pouvoir farmer le glitch. Donc là, on va sur le rebord, on fait une émote. Ok. Ensuite, on monte sur la cabine téléphonique, on fait une émote. On débloque le grand bonheur, on va dans le coin. On fait une petite danse ici. Et là, on ne débloque pas d'XP. Donc comme on ne débloque pas d'XP, ce qu'on va faire, c'est à la place de faire arrêter le jeu et retourner à l'accueil, on va carrément quitter le mode créatif. Donc on fait quitter le salon, on revient dans le lobby de Fortnite, on attend que ça charge. Ensuite, on relance le mode créatif. Donc là, c'est les étoiles que j'ai débloquées parce que j'ai atteint le niveau 29. Alors regardez, hein, j'avais commencé niveau 28, il me manquait 20 000 XP. Là, je suis niveau 29 et il me manque 35 000 XP. Donc en réalité, je pense que j'ai pris 75 000, non, 60 000 XP. Même si on en a vu que 30 s'afficher, la deuxième fois que j'ai fait le glitch, peut-être que les XP se sont pas affichés, mais je les ai quand même eu parce que en réalité, là, j'ai gagné 60 000 XP. Ouais, je pense plus ou moins j'ai gagné 60 000 XP. Donc là, on remet le code. Donc quand on est de retour dans la map créative de Fortnite, on remet le code. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre le code partout. Donc ouais, on va mettre le code partout. Comme ça, on va pouvoir le faire 4 fois, si maintenant c'est ça le bug. Et ensuite, on devra quitter le mode créatif et remettre les 4 maps pour le refaire 4 fois. Vous voyez le délire? Donc attendez, hop, 3. De toute façon, on va tester. Ça, vous comprendrez un peu plus en live directement. Donc là, les maps, elles sont chargées. On va peut-être attendre que ces 2 maps-là chargent pour être sûr que ça ne fasse pas bugger le glitch. Donc là, on attend. Ok. Et là, on attend, ça charge. Ok, elle est chargée. Donc là, on va aller dans une map, une des 4 maps. On retient bien la celle qu'on a utilisée. On va dedans. On attend que le jeu se lance. On se met sur le petit rebord. On fait l'émote. Ok. Là, je ne gagne pas d'XP, donc c'est un peu bizarre. Ah, c'est bon. Star Destron. J'espère que là, ça va fonctionner. On refait une émote sur la cabine téléphonique. On se téléporte. Oh. Attends. Ah, d'accord. Ok, j'ai capté. Donc en fait. Ah non, c'est bon. Je croyais que c'était patché, mais en fait non. Donc là, on se met en plein milieu et on fait une émote. Ok, donc là, ça fonctionne bien. Parfait. Par contre, j'ai gagné moins d'XP que tout à l'heure. J'ai gagné 17 000 XP, mais c'est quand même plutôt pas mal. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait retour à l'accueil. Putain, j'ai cru que c'était patché. Parce que c'est ce genre de glitch, ça se patche très très vite, donc j'ai eu un peu peur. Donc là, on va dans la deuxième map, donc une autre map, hein, pas la même que vous venez d'aller. Vous allez dans une autre map. Et vous refaites le glitch. Donc on se met sur le bord, hop, on fait une émote. Ok. Ensuite, on saute sur la cabine, on fait une émote, on débloque le grand bonheur, on vise le coin, mais visez pas trop le coin à gauche, visez plus la ligne vers la droite parce que j'ai l'impression que ça fonctionne mieux parce que tout à l'heure j'arrivais pas à monter. Donc quand on est téléporté, on fait une émote et là normalement ça continue à gagner des XP. Donc là, ça c'est l'astuce. En fait, c'est de retourner à l'accueil. Quand vous arrivez dans le mode créatif, vous mettez les 4 maps. Dès que vous avez fait les 4 maps et que vous avez pris les XP sur les 4 maps qui sont là, vous faites un retour au salon, vous retournez dans le mode créatif et vous remettez les 4 maps. Comme ça, vous allez pouvoir le farmer le glitch en illimité pour gagner des XP en illimité. Donc bien entendu, les XP vont diminuer au fur et à mesure que vous le faites, mais c'est possible que vous gagnez plus d'XP que moi. Donc moi j'ai gagné quoi? 33 000 XP directement au début. Bah, c'est peut-être que vous allez en gagner 50 000, 60 000, etc. Peut-être que vous allez en gagner moins. Après, plus le glitch est fait, plus moins d'XP vous pouvez gagner. Enfin, ça dépend, tu vois. Donc, à vous de voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwapulMec et ciao, peace!
Yummy, bruh.